2020 sera aussi l'année du compas. Cette musique et danse haïtienne fait chavirer les cœurs dans le dernier film de Cédric Lapiche. Un festival lui sera consacré en mai prochain en région parisienne. Vous connaissez le compas ? Non. Ah, parce qu'il y a danse et danse. Le compas, c'est la danse, mais la vraie danse. Je cherchais, moi, pour mon film, une danse de couple. Et j'étais plus parti sur la salsa ou le rock. Et puis, en fait, je me suis dit que le compas, c'était plus intéressant. Parce que c'est une danse plus sensuelle, plus simple. Et plus actuelle, justement. J'aimais bien le fait qu'en France, on la connaît pas tellement. Le compas, c'est une danse magnifique. Ça se danse à deux. Le compas, c'est l'accord des corps. D'accord, d'accord. Bah ouais, pourquoi pas ? Bah ouais. Quand j'ai vu le compas, il y a quelque chose qui est comme ce que moi j'ai connu quand j'étais petit, qui était le slow. En fait, dans les fêtes de mon adolescence, il y avait des slows et en fait, on dansait en couple. Et il y avait ce côté contact avec une fille et qui est en même temps sensuel, mais sans être érotique, je dirais. Je reprends le pas de base, comme il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. C'est Dadi et sa compagne Manuela, prof de danse à la ville, qui ont été retenus pour jouer ce rôle à l'écran. Pour Dadi, cette séquence constitue une visibilité inespérée pour le compas, la musique de son pays. Voir aujourd'hui voilà, un réalisateur comme Cédric Lapiche s'intéresser et intégrer le compas dans son film, ouais, c'est une reconnaissance et pour la danse et pour la culture haïtienne qui...